Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les fourmis Empire of the Ants. Alors, il faut que je regarde. On va choisir lequel ? Bah, celui qui est là à côté. Hein. Bonjour. Bonjour, madame la fourmi. Les sœurs perdues. Toi, notre mère l'avait annoncé de l'aide de Belokan. L'eau monte et certaines de mes sœurs sont manquantes. Trouve-les autant que possible, dépêche-toi. Combien sont perdus? Des centaines de filles. Si chacune d'entre nous pouvait en sauver quelques-unes, alors ça ferait la différence. Quel gâchis. Ouais. Nos pertes sont terribles, l'innovation nous a toutes surprises, mais sous la conduite de notre mère, Taiyuken sera reconstruite. C'est la volonté de la Fédération. Des risques sur le chemin, l'innovation a tué et détruit tant de choses. À part l'eau et le terrain difficile, la mission ne devrait pas poser problème. N'oublie pas que tu es plus importante vivante que morte. Bien évidemment, on va aller aider. Et donc là, maintenant, je rentre vraiment dans full découverte du jeu. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver les ouvrières manquantes, appuyer sur LT pour... Action. Ok. Donc il n'y a pas que de la... Enfin si, c'est de la stratégie, hein, de choisir son chemin, c'est stratégique, mais voilà, c'est pas le... Continuons jusqu'à remplir 3 trackers, votre cible est proche. Trouvez, interagissez avec l'ouvrière. Par là, hein. Hop. Par ici. Ok, ça veut dire qu'on se dirige dans le bon sens. Qu'elle doit être juste ici alors. Ah, ici en dessous? Non. Là-haut, peut-être. Hop, ici, on saute. Et bonjour. Non, on n'était pas là. Donc c'est plus par ici. 206 têtes, ok. Est-ce qu'elle serait en dessous? Franchement, aucune idée. Hein. Ah, ici, où est-elle? Ah, waouh! Envoyez Oni. Trouver une deuxième ouvrière. Ah bah trouvé. Envoyez Oni. Ensuite, vite, l'eau monte. Et donc, trouver et sauver cette ouvrière. Il y en a une là-bas, ok. Hop.
Il y en a une là-bas. 1008 sans tête, non. On va aller à celle qui a 400. Il y en a une sur ce rocher. What? Sans tête, bah j'ai pas le choix. Attends. Mais il y aurait un chrono caché, c'est ça? Raté. Il est raté. Hop. Très bien, ici. Sans tête. Non, il doit en avoir une plus proche. J'imagine bien là tout en haut. Très bien. Trouvé. Alors là, 700. 500. Oh, une balançoire. Ok, trouvé sur le rocher. 5. Il y en a deux par là. Très bien. Il y en a une de plus qui a disparu. Ok. Ah. Ok, trouvé ici. Poisson. Ok, elle doit être sur ce morceau de tronc. Trouvé. Oui, mais à un moment, il y en a plus que ce qu'on... C'est ça, il y en a plus que ce qu'on doit sauver. Victoire, on doit en sauver 7. Et heureusement, parce que j'aurais été très mal.
Ok, il reste une mission, deux missions. Mais en toute logique, on va aller à celle qui est proche. Bonjour ici. Tu es 103? Laisse-moi deviner, oui, tu as été assigné à une mission. Comme nous, nos sœurs, nous partons à la chasse. Il y a un réseau de caves près d'ici rempli de lucioles. Allons-y. Tu veux chasser toi aussi? Bien sûr, je montrerai à mes jeunes sœurs comment chasser. C'est notre cycle à nous. Nous apprenons, nous enseignons, nous améliorons. Des lucioles, succulentes, bien sûr, pas mes préférées, mais la nourriture reste de la nourriture. Et nous allons en avoir besoin de beaucoup. Allons-y alors. Comment on fait pour attraper des lucioles? Déjà, à quoi ressemblent les lucioles? Là, ok. Ok, et où est-elle maintenant la... Ok, super. Ok. J'ai bien fait de me planter. Où est maintenant la jolie Luciole? Ah, ça va être une mission éclatante. Franchement, c'est le genre de truc où on s'amuse. Très bien. Touché. On doit remonter, je ne sais pas où je dois aller là. Ah c'est bon, il faut aller au-dessus du caillou. Sauf si on voit d'autres lucioles, mais à mon avis ce sera pas le cas. Ça a l'air d'être un couloir donc... Là, il y en a une deuxième.
Dangereux ça. De deux. Elle saute. Ouh. Oh, une pièce. Bien évidemment, on va scanner ça. Et un cloport. Inutile. Alors, les cloports, bonjour. Gauche, droite, gauche. Pas pourquoi je le sens. Oh, c'est la première. Oui, c'est de là où on vient, j'ai l'impression. Sachez que là on va à gauche. Pour plus tard, dure nourriture. Hop. Boum, allez. Ouf. Ça, c'est un bon attrapé de Luciole. Il était joli. Ok, tout ça c'est fait, donc maintenant il en reste une où il faut revenir. Et si je fais ça, deux explorations, une stratégique, zéro tactique. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais je ne vais pas avoir la collectionnite aiguë ici. On va faire l'histoire et... Je me disais avoir senti une Belloquienne. Ma reine nous a prévenu de ton utilité au combat, nous te demandons de nous aider. Notre frontière avec le territoire thermite se transforme en champ de bataille. Remets-toi sur place. Rends-toi sur place, aide les troupes épuisées, donne une chance de survivre à l'inaudition. Pourquoi cette frontière est importante? Nombreuses ressources s'y trouvent et nous en aurons besoin pour l'exode. La guerre avec les termites paraît dérisoire, mais nous devons prouver à la forêt que nous ne sommes pas défaites. Comment sont les termites? Combatifs. Cette frontière a connu de nombreux combats, mais cette fois c'est différent. Cette fois ils pensent pouvoir gagner. Un conseil, attaquer frontalement fonctionne bien, ils ont tendance à laisser leur nid sans défense pendant une bataille. La contre-attaque est donc une stratégie qui peut payer. Ok, un autre combat. On a une grande carte. Ouch. Interagir. Je peux rien en faire, c'est ça?
que j'ai des ressources. Ok, je peux rien faire. Cible l'un de Venise. Phéromone de peur, ok. Donc j'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Rendez-vous dans l'économie, reconstruire réserve de phéromones. Wow. Traîtresse. Il y a un nid pour... Ok. Traîtresse, très bien. Cibler un nid ennemi. Pour voir ses améliorations. Ok. Donc cibler la carte... Cibler la carte en diamant. Pour reconnaître une légion... Ok, en diamant c'est quoi c'est... Hexagonal pour reconnaître une légion alliée. J'essaie de traverser l'eau et j'arrive. Venez ici. Elles arrivent ? Où sont-elles ? Mes alliés. Moi, c'est les deux que je veux. Port de peur. Ah, ici ils en ont pris un, ils ont été plus rapides que moi. Mais ils sont plus nombreux aussi. Rage, renfort.
Là, il y a du monde aussi. Ouf, ouais. Venez ici. Très bien, c'est fait. Venez ici. Hop, ouais, on va lancer. Ou alors, en dessous? Non, on va lancer ici. Ça c'est peur, ça c'est rage. Rage et bouclier. C'est quoi ça, guerrière? On va les laisser avancer, je pense. Et on va attaquer le nid ici. C'est le mieux à faire. Si on attaque le nid principal, tous les autres s'effondrent. Parfait. Allez, dites-moi que la peur va bientôt arriver. Victoire. Ça aurait été vite. Bah oui, j'ai agi de la bonne façon, j'ai aidé, enfin on a détruit les deux nids principaux, et donc tout s'est effondré, toute la ligne ennemie s'est effondrée. Et il y a encore plein... Ah voilà, c'est ça en fait. Toutes les autres quêtes sont là, mais je vois qu'on approche d'une demi-heure, on va, contrairement à la fois passée, on va pas faire un très long épisode, on va s'arrêter ici. J'espère donc que cet épisode vous a plu. Je tiens encore une fois, je vais pas le faire à chaque fois, mais je tiens encore une fois à remercier GamesPlanet pour avoir fourni la clé. Vous n'oubliez pas qu'il y a un code promo qui est disponible, qui est signe fourmi, signe au pluriel, signe au singulier et fourmi au pluriel, tout attaché. Vous pouvez retrouver dans le code dans le premier épisode si vous avez peur de vous tromper, et peut-être en description. Voilà. Sur ce, on va se laisser, j'espère donc que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser vos commentaires, laisser voilà, le commentaire, ils seront lus, et on y répondra avec un grand plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, mais également les autres séries très chouettes qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.